Et yo les gens, c'est Misty, j'espère que vous allez tous très très bien, moi en tout cas j'ai la forme. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de The Road to Inform Bay les gars. Donc on va tout de suite commencer cet épisode avec notre bonne vieille technique des changements de poste. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est une vidéo explicative seulement pour cette technique, pour vous expliquer à tous comment marche cette technique. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'avais sorti la vidéo explicative, vous étiez beaucoup moins nombreux, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et surtout multiplier les lives, et je pense que ça va vraiment vous faire plaisir. Dites-moi ça dans les commentaires, répondez-moi un petit peu à tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Surtout que j'ai pas mal de trucs à vous dire, notamment l'arrivée de la FAQ en face commentary. Donc faut savoir que c'est bon, j'ai tout fait, j'ai plus qu'à faire le rendu et tout ça. Donc je pense que ça arrivera cette semaine, voire la semaine prochaine. Je pense la semaine prochaine déjà sûr, mais cette semaine je sais pas encore. Sachant que samedi, je sais pas si je vais sortir un petit live ou une pépite de la semaine. Oh, je sais pas, ça va être un petit peu le suspense. Ça va être, je sais pas, je verrai bien comment je vais m'organiser le gars. En tout cas, tout est prêt, je l'ai fait. Et donc c'est bon, vous aurez cette vidéo. Enfin, je sais qu'en tout cas, il y a pas mal de personnes qui attendent cette vidéo, qui me la demandent. Donc pas de soucis, vous l'aurez. Je tiens encore à tous vous remercier les gars, parce que vous êtes 3400 abonnés, c'est complètement énorme. Voilà, on est en période de fête, c'est Noël et tout ça. Et puis franchement, ça c'est un putain de cadeau les gars. Je tenais vraiment à tous vous remercier. J'espère que vous allez tous passer de très bonnes fêtes et que le Père Noël va beaucoup vous gâter. Donc voilà, écoutez, on va tranquillement continuer nos petites vagues d'achat-vente. Donc savoir que cet épisode, j'ai fait plusieurs vagues étant donné que j'ai plus de temps. Maintenant que je suis pas en cours, je me suis dit que je pouvais faire un petit peu plus de vagues. Et donc il me semble que vous aurez 3-4 vagues dans cet épisode. Donc voilà, et c'est histoire de se faire pas mal de crédits. Donc je sais pas si vous voyez Cereceda là, ce milieu chilien les gars. C'est un milieu défensif de base, et le gars a 92 de vitesse, et en plus il a les contributions élevées, 1m84, 4 étoiles de gestes techniques. Ça a l'air franchement d'être une pépite les gars. Franchement, je vous conseille vraiment de le tester, parce qu'il a vraiment l'air d'avoir de très belles stats. Si jamais vous faites une chilienne, ça peut être super intéressant de le mettre aux côtés de Vidal en milieu défensif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on s'en fout un petit peu. On va parler un petit peu d'achat-revente dans cette vidéo. C'est le plus important. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé de choper pas mal de joueurs qui sont BU de base en MOC, c'est à dire les mecs comme Cavani, Dembaba, Montero, Martins également, ça marche vraiment très bien. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est que quand je regarde par exemple ce que j'avais fait par exemple avec Martins, c'est qu'en MOC des Martins, il n'y en avait que 2 ou 3, je sais plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les 2 ou 3, et après vous allez leur fixer un prix à, je sais pas, à 600-700 crédits de plus. Et donc du coup, vu qu'il n'y en aura que 3, bah, les gens seront obligés de l'acheter au prix qu'il y a. Donc voilà, faut pas non plus abuser. Si vous les foutez à 10 000, il n'y a personne qui va acheter, c'est sûr. Mais je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est qu'en fait, si vous voulez par exemple, il n'y a que, je sais pas, 3 cartes sur le marché, vous achetez les 3 et vous fixez les 3 cartes à 500-600 crédits de plus, histoire de vous faire à peu près de 2000 crédits. Donc vous pouvez un petit peu augmenter. Après ce que je peux vous conseiller de faire, et ce que moi je fais, c'est que quand je mets mes joueurs en vente, bien évidemment je vérifie le prix, mais j'essaye toujours de mettre un petit peu plus que le moins cher, dans le sens où vous l'avez pu le voir sur certains épisodes, qu'il y a certains joueurs que quand vous baissez le prix de départ mais que vous augmentez le prix d'achat immédiat, ils partent. Je sais pas pourquoi, genre vous allez voir un Cavani que j'avais mis en vente à 9500 il me semble, il était pas revendu, et quand je l'ai relancé, bah je l'ai mis à prix de départ 9000, prix d'achat immédiat 10000, et les gars il est parti à 10000. Donc voilà, essayez toujours de mettre votre joueur à 400-500 crédits de plus, et ça sera toujours ça de bénéf. Je veux dire, si vous avez des vagues comme moi d'à peu près 10-20, d'une dizaine ou une vingtaine de joueurs, ça peut être toujours sympa de se faire 5000 crédits de bonus en plus, juste en mettant les joueurs un petit peu plus chers. Donc là, on a chopé 2 Salcido, j'ai réussi à les choper vraiment pour un très très bon prix, sachant qu'ils vont se revendre en seulement quelques secondes. J'aurais peut-être pu les mettre un petit peu plus cher, mais il faut savoir que je les ai mis 100-200 de moins cher que le moins cher en immédiat. Donc je me suis dit que c'est bon, il partirait pas aussi vite, mais finalement il est parti quand même plutôt vite. En plus il a très très belle stat également, c'est-à-dire que c'est un milieu défensif.
offensif et il a des stats super complètes. Je suis allé faire un tour sur Futed, en plus il a 5 étoiles de mauvais pied. Mais ce que je, pour chercher mes joueurs, il y a beaucoup de gens qui me demandaient comment je faisais. Mais je vais vous expliquer ça dans un live et vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi les joueurs que j'utilise se vendent vraiment vite. Et vous n'êtes pas obligé de les relancer 400-500 fois là parce que ça part pas. Ce qui m'est arrivé avec un joueur en argent sur mon compte, ça fait une semaine les gars que je suis en train de le relancer, il part toujours pas. Mais c'est bon, on perd pas espoir les gars. Écoutez les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous allez passer de très très bonnes fêtes. En tout cas, je vous le souhaite. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.